la salle, les lumières s'éteignent. Un spot sur moi et la foule se lève. C'est J23, entre dans le game. Les fans des joueurs se mordent les lèvres. Ma réputation n'est plus à faire. 3 ans, je saigne tous les paniers. Je vois la peur chez l'adversaire. Même les Rangers ne peuvent pas nier. J'ai le vide, j'ai la passe, j'ai le shoot et le spectacle. Jalousie de ma classe, pour moi aucun obstacle. Démonstration en mode RPP, je me chauffe avec un petit de carrière et pas. Doucement les gars, c'est juste l'échauffement, vous allez être douleur dans un instant. Mon jeu est tellement incandescent, comme il trouve ça même indécent. Tu montes au donne, moi je te descends, des joueurs comme toi j'en vaux de sang. Désolé si je suis trop blessant, mais ce soir je fais rebondir du sang. Et suite à mon flow incessant, c'est le match NBA. Match NBA, match NBA, it's time to play. Match NBA, match NBA, it's time to play. It's time to play. It's time to play 2K22. Il est là. Il est là. J'ai joué au 21 il y a une semaine justement pour me remettre au 21, voir ce qui allait pas, enfin, me souvenir de ce qui allait pas et voir si sur le 2K22 ça avait été arrangé. Et moi, je... Comme ça, je croise les doigts pour l'intelligence artificielle en mode ma carrière. Pas mettre de crédit, rien du tout, hein. Je le ferai bien évidemment quand je recevrai le jeu, parce qu'il y a certes, c'est souvent accompagné de VC, parce que vous le savez, je déteste attaquer une saison NBA avec un joueur à 50, un mec qui n'est pas capable de faire un layup, alors que même sur 2K21, quand il avait 92 en layup, il savait pas les faire non plus. On est-y pas. Créer nouveau perso. Ouais. Choix du style. Vous pouvez aller directement en jeu ou explorer plus d'options de personnalisation. Chercher une tête numérisée. On va pas le faire. On le fera plus tard. Hein. Mais là, on va pas le faire. Alors, oh, qui m'a l'air... Oh, oh, qu'il est joli. Tout de suite, lui, il me plaît énormément. Il me plaît Station énormément. Ah ouais. David et Jonathan, qu'est-ce que tu fais pour les vacances? C'est exactement ça, quoi. Oh, super. Vas-y, je te choisis. Il y a moyen qu'on fasse un pivot. Hein. Il y a moyen qu'on fasse un Sergueï cette année. C'est possible. C'est possible qu'on se fasse un Sergueï. Hein. Oui, mais de toute façon, je le referai. Je referai parce que ça, c'est pas le joueur que je vais. C'est pas le joueur que je vais utiliser ça. Il y a des mecs. Hein, on s'en fout. Hein. Il y a des mecs qui vont le faire pour nous. Hein. Ah, vous savez quoi? On la joue comme ça. Profil, mon joueur terminé. Menace offensive. Genre Bradley Beal, Zach Lavine, CJ McCollum. En termes d'arrière, je pense qu'on est pas mal là. Hein? Bon. Tester. Ah, je peux aller tester. Vas-y, je te teste. En vrai, tiens, je le teste à 80. Je le teste à 80. Voilà, Jrue Holiday, David et Jonathan, Chris Middleton, Giannis Antetokounmpo et Brook Lopez. On est pas mal. Here we go. Et on le teste. Alors, les mouvements aussi. Hein. Les mouvements, ça va être important. Hein. Là, oh, génial, on est sur Booker. La lourdeur des pas, plus ou moins. Ça change pas. Bon, dans les déplacements, hein, on est clairement pas perdu. Ok, donc le système pour les écrans, c'est toujours la même chose. Ok. Ok. Sauf que ça a mis du temps à se mettre en place. Ouais, les déplacements, c'est la même chose. Non, j'avais bien défendu. Donc c'est le... Voilà, le meneur de jeu, hein, c'est Giannis. Hein, ça... Ouh. Ouais. Boum, Greg. Oh, cette passe-main gauche. Ce pick and roll totalement folie, magnifique. Bon, je vous cache pas que graphiquement, je ne vous cache pas non plus que au niveau du gameplay, déplacement, tout ça, il n'y a pas une évolution de ouf.
Quant à l'IA de ses coéquipiers, bon, le problème, c'est qu'on est avec Giannis Antetokounmpo, donc c'est compliqué de s'en rendre compte. Attends, je te mets un écran. Ouais. J'essaie de faire un shoot là pour... Ouais. Ok, la jauge maintenant, elle est comme ça, d'accord. La jauge qui monte le long du corps du joueur, c'est pas désagréable visuellement. C'est pas désagréable. Je sais pas ce que vous en pensez donc, vous tu. Mais c'est pas désagréable. Je suis prêt à switch, hein. Je suis prêt à switch. Non. Bon, alors, effectivement, mon joueur, quand on disait qu'il était pas très bon en contre, je vous le confirme, il est pas très bon en contre. Pourtant, qu'est-ce qu'il est beau, c'est dommage. Hein. Non, non, on est... Alors, je vous cache pas que pour l'instant, hein, on est sur un petit copier-coller du 21, hein, qui était un petit copier-coller du 20. Hein. Là, c'est juste la jauge là sous le joueur, je suis pas fan. Juste la barre jaune là. On a l'impression d'être en 2013 là. Je suis pas fan. Alors j'appelle tout de suite un écran sans ballon. Voilà. C'est pour aller se mettre dans le corner. C'est exactement comme l'année dernière, c'est la même chose. Voilà, et donc là je ne participe plus du tout à l'action. Et si, voilà. Voilà, Giannis. Hop, le petit shoot. En sortie d'écran, pas du tout dans le bon timing. Ça changera pas. Hein. Ça changera pas. Si c'est pas du tout dans le bon timing, ça ne rentre pas. Ok. Hop là. Démarquage en roll. Ouais, attends. Ouh, attends. Ouh, je peux le jouer. Hop. Attends, c'était quoi déjà? J'arrive pas. La jauge est montée un peu vite. J'ai tenté un truc. J'ai voulu appeler une isolation. Et j'ai pas réussi. Je suis en quel niveau de difficulté là? Parce que tout à l'heure j'ai vu Hall of Fame. Je suis bien en Hall of Fame, hein, c'est ça. Hein. D'accord. Ouais, c'est une erreur. C'est une erreur. Ok. Bon bah si on est en Hall of Fame, le truc c'est passer la balle à Giannis. Hein. C'est ça qui compte. Ah oui, Hall of Fame c'est une erreur. Hein. Je voulais pas, hein. Je voulais pas du tout faire ça. Voilà, le classique, hein, bien sûr. Ah, ça défend bien, hein. Regarde l'écran que je t'ai mis, là. Et c'est grâce à moi, Chris, hein. Donc là, on a une IA de coéquipier qui vient de rentrer un panier. Mais le problème, c'est que c'est Chris Middleton. Donc c'est ça qui est un peu dur. Ah ouais les gars, mais ça, si ça défend pas là, bah oui. Est-ce que je suis content du recrutement des Bulls cette année? Ah bah oui. Bien sûr. Ouais, ça c'est bien ça. Ça c'est mon IA que je reconnais ça. Ça c'est mon IA ça. Hein. Ouais, mon joueur est pas assez fort hein, pour aller jouer en Hall of Fame. Hein. C'est une erreur. C'est une erreur. C'est... Oh putain, comment ça défend. C'est une erreur aussi. Je voulais faire les iso statiques. Tu sais, l'enchaînement de dribble. Donc avec le joystick droit vers l'avant. Bah, ça m'a fait un tir. Donc forcément, je m'y attendais pas, quoi. Ah, c'était beau, hein. Ouais, t'as vu, tu l'as vu là, tu m'as vu. Green. Oh, j'ai fait un green en Hall of Fame. Ouh, avec, t'as vu, une petite animation parce que c'était un green. Ah, j'ai... Oh bon, bah là, j'ai volé, hein. C'est sympa le fait que... J'ai eu l'animation du Maurice, là. Oh, il y,
il y a une petite animation. Bon, on en reverra plus, hein. Regarde, poste haut, là, poste haut. Ouais. Qu'est-ce que... Voilà, hop. Yanis, tu auras certainement besoin de moi, là. Voilà, tu peux la ressortir, si tu veux. Comme si elle allait la ressortir, dis donc. Bon, par contre, en défense, bah, ça m'a l'air d'être sensiblement la même chose en termes de déplacement. Il n'y a pas de... Pas pour l'instant, hein. J'ai pas regardé les tutos, j'ai pas regardé la 2K University. Mais il semblerait que c'est. Oh, get back! Ah bah oui, mais non. Ah bah non, Brook, faire une passe décisive pour le tireur à 3 points, non, ça c'est caca ça. Ça c'est caca. Allez, je demande encore l'écran sans ballon, ça c'est ce que j'adore, hein. Ça c'est la petite nouveauté qu'on avait eue. Voilà. Voilà. Tu m'as vu. Ah, je crois que t'étais parti. Ça me ressemble tellement pas. Ça me ressemble tellement pas. Mais ça fait du bien. On se souviendra, hein. Le tir de Ray Allen. Ouais, c'était encore un Maurice, hein. Oh, ils ont fait des effets de lumière sur la note du joueur en haut, là, c'est magnifique. Bah, par contre, j'adore le nom de mon joueur. Hein. David et Jonathan, là, j'adore ça. Hein. Ah, il y a Monsieur Tout dans le chat qui me dit, mais est-ce qu'il y a plus dur que le Hall of Fame? Ouais, j'aurais peut-être pas dû aller en aide, ouais. J'aurais pas dû aller en aide. Bon, 22-13, on va pas se la raconter non plus. Hein. Montre la manette, c'est quelqu'un d'autre qui joue. Arrêtez, vous êtes... Oh, que vous êtes mesquin, vilain. Oh, ils utilisent mes... Hop là, petite passe funky. Bon, parce que là, ce qu'on attend, c'est un dunk, hein, pour le coup. Je vous assure, c'est moi qui joue. Je veux un joueur comme ça, hein. Je veux créer un joueur comme ça. Souvenez-vous hein, de ce que j'ai fait dans les statistiques là, au début. Là. Je veux un joueur comme ça. Hein. I want it. Je le veux. Hein. Parce que je l'ai mis avec un général de 80, donc ça va, c'est pas non plus une brutasse. J'ai pas mis beaucoup d'insignes. Bon, par contre, les contres, ça a l'air beaucoup plus dur que l'année dernière. Alors attends, tac. Ouais, je t'ai pas beaucoup aidé. Non, je regardais les dribbles éventuellement. C'est pareil, faudra les équiper. Ah, les mecs, ils marquent. Ah ouais. Oh merde! Bah oui, mais je regardais pas ça. Le jeu sort quand sur PC? C'est à mon avis, si vous pouviez l'éviter d'acheter sur PC. Ah, ils me font la passe! Est-ce que je suis plus rapide que toi? Non, jusque pas. Hein. Jusque pas. Alors attends, c'est quoi pour demander une isolation? Ah, la croix directionnelle ne fonctionne plus. C'est plus cette passe. Pas cette touche. Bon, là, c'est normal. Ah, mais ce qui fait que je trouve que c'est. Moins encombrant. Oh, bien joué, ça. C'est moins chiant, là, la jauge le long du corps. J'aime bien. Ah, j'aime bien. Hein. Bon, par contre, ce système-là de... Les gâchettes qui sont plus dures pour courir, etc. Ça, il faut absolument que je l'enlève. Hein. Je supporte pas ce truc. Alors, on va essayer de défendre un peu mieux. Est-ce que j'ai le... Non, il n'y a pas d'option là quand tu fais ce match-là. Ok. Bien ça! Bien! Oui, ça se désactive avec les gâchettes, mais j'oublie. Et là, on peut pas le faire pendant le match. On est prêt à venir en aide. Le problème, c'est qu'on est sur Booker, donc on peut vite se faire sanctionner.
On n'a absolument aucun avantage sur les rebonds. Je passe dans ton dos. Non, oui, non. Ah, l'entre-deux, ça va être rigolo. Ça va être rigolo l'entre-deux. Entre CP3 et Yanis. Vas-y, 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 vas-y. Tu vas voir qu'on la perd. Oui, oui. Oh putain, pourquoi tu t'es arrêté? Je vais galérer à faire un dunk. Hein. Je vais galérer. Oh, bof. Oh putain, j'ai. Putain, même ça, il me le laisse pas. Oui, oui, oui. Ok. J'ai pas mis l'insigne commencer de loin et tout ça. Oh, je suis une vraie sangsue en défense. Oula, mon joueur est très très lent sur les changements de direction. Ah non, merci Gamer. Game Master pour les 1 an de sub. Merci beaucoup. 1 an, Yannou, à te suivre et toujours autant de plaisir. Hâte de voir David et Jonathan et Olivier Tom. Non, il n'y aura pas Olivier Tom. On simule jusqu'à la rentrée. Bah, les appuis compliqués. Hein. Les appuis, mon joueur est extrêmement lent sur ses changements de direction. Très très lent. N'oublie pas que tu vas retomber à 60. Non, je sais bien. Mais pas demain, non. Demain, non, avec l'édition combat envoyé, t'inquiète pas que je vais pas commencer à 60. Hein. Hors de question. Je m'y refuse. Attendez, je veux mettre un écran en fait. Tiens, je veux mettre un écran. Bon, ces shoots-là, ils changent pas, hein. Ça, c'est toujours impossible à mettre. Ouais, enfin, si... Aide. Oh, l'aide, elle arrive bien, là. Elle arrive rapidement, l'aide. Oui, c'est bien, ça. Oh. L'aide est arrivée assez rapidement. Oui. Donc par contre, on a vu quelque chose. On a vu, Là, cette année, il va falloir, manifestement, relâcher le joystick quand tu fais un dunk. Il va falloir relâcher le joystick. Avant, on pouvait le laisser appuyer. Et là, maintenant, il va falloir le relâcher. Parce que vous avez vu, il y a eu un affichage, le R qui était barré. D'accord. Ah, c'est la tristesse, hein. C'est la tristesse pour notre champion. Pourquoi je saute, j'aurais pas le rebond. Ah ouais. Oh, le double carré. Oh, faut que je vois s'il marche. Ouais, ça marche un peu. On peut pas voir les stats, mais j'ai l'impression qu'il est bien. Hein. Ok. Eh, il avait pas le droit de me toucher. Ha ha ha, dans ta face. David et Jonathan ne lâchent jamais. Allez, j'ai envie de retenter un dunk pour comprendre cette histoire de timing aussi sur le dunk là. Là, ça me titille. Ça me titille. Oh, dommage pour l'interception. La main était bien à l'opposé. Oui, j'ai pris un rebond. Let's go.
Ouais, j'ai bien joué le mismatch, j'ai fait une passe avec Triangle pour qu'elle soit à hauteur, pour que Lopez puisse l'attraper par rapport à Booker. Donc c'est plutôt malin de ma part, c'est plutôt bien joué, c'est plutôt basket, c'est plutôt NBA. C'est plutôt Coach Jordan 23 sur NBA 2K22. Oui ! Oh oh, oh oh, lâche là. Ah mais c'est chaud comment ils reviennent. Ouais, c'était un petit peu... C'était pas Yanis, quoi. J'ai tenté. Mais là, pour aller choper un dunk, ça va pas être facile. Ah, ces petites hésitations, là, au moment où il faut partir, ça a pas changé, ça. Hein. Ah, et là, je trouve que mon écran était vraiment bon, là, pour le coup. Ah, ouais. Ah ah, ouais, je pense que, comme tu dis, là, il va falloir mettre accélération et vitesse. Hein. Et mettre le premier pas vite en le fame, ouais. Ouais. Elle était pas mal cette petite accélération. Ah oh, putain, on peut pas faire de ralenti. Elle était pas mal ce petit droite gauche je pars. Là le truc que je me rends compte c'est quand tu cherches à les contrer, tu appuies vraiment sur la touche de contre, il met énormément de temps, on dirait, à comprendre l'information. Tu vois, ça fait, tu veux que je fasse quoi déjà? Ah oui. Tu vois, c'est bizarre ça. Oui, peut-être parce que ma note de contre est très très basse, mais... C'est vraiment en termes de réaction. C'est pas flamboyant, quoi. Alors là, par contre, j'ai pas capté parce que j'ai pas du tout lâché le tir à ce moment-là. Et la jauge, elle a continué de monter quand même alors que j'avais lâché. Je retrouve mon IA qui va lancer des trucs de dingue. Il y a une jauge pour le dunk maintenant. Il y a une jauge pour le dunk maintenant. Aïe, aïe, aïe. Il y a une jauge. On l'a vu. Il y a une jauge. Jaune, orangé, rouge, vert. Il y a une jauge pour le dunk. Ok. Très bien. Donc maintenant, on va plus pouvoir profiter du spectacle. Il va falloir se concentrer sur la jauge pour dunker. C'est chier. On va essayer maintenant. Effectivement, on va essayer de dunker avec carré. Là, je le faisais avec le joystick. On va essayer de dunker avec carré. Mais en vrai, tu vois, je suis un joueur à 80. C'est pas ouf, je suis en Hall of Fame, 14 points, 4 rebonds, 3 passes. Sartek Yanou, hein. Oh là là. Ah les coquinous et les coquinettes fans de basket. Bien Yanis. Passe là ton arrière, regarde ton arrière. Alors attends, comment je demande une ISO là par contre? Rond. Allez, c'est pas ça. Là. Ok, mon premier de David et Jonathan sur un 2K22. Je le fais. Mon tout premier boom sur 2K22. Et effectivement, avec carré, il n'y a pas de yo-yo. Donc maintenant, ce qu'on tente, c'est le dunk avec le joystick et le bon timing. Et ouais. En défense, c'est... J'ai l'impression que la défense... Alors peut-être parce que j'ai mal calibré mon joueur, mais mon joueur me paraît beaucoup plus difficile à maîtriser en termes d'inertie lorsque tu changes tes appuis. J'ai cette petite impression. Yanis ? Non, il m'ignore complètement. Hein. Depuis que j'ai couché avec sa meuf, laisse tomber. Hein. Je pensais qu'on était passé au-dessus. C'est moi qui lui suis passé dessus d'ailleurs.
Il est où? Et tout ça c'est fait en live bien sûr. Ah bah quand même. J'aime bien ce petit départ là. Ouais non, y a pas moyen. Y a pas moyen de les faire ces shoots là. Faut que ce soit du green. Hein. Du green impeccable en le fame. Y'a un timing aussi pour aller hoop. Timing pour le aller hoop. On l'a bien vu, ça a été très très rapide, mais il y a bien un timing pour les aller hoop. Le reverse. J'espère que vous avez aimé ce call. Hein. Reverse. Dribble entre les jambes. Bon. Oh bah, ça a été belle celle-là, tiens. Oh! La slam cam! Oh là là, Davidé! Ah, c'était pas mal, hein? Bah, j'ai réussi. Ça va, c'est pas compliqué, hein? Du moment que tu sais où va apparaître le curseur, c'est bon, hein? Pas du temps, hein, avant de le. Alors, par contre, peut-être que s'il y a contact avec un défenseur, peut-être que le curseur change. Ah, par contre, les fins de tir sont toujours la même, hein? Ah mais ça a changé les reverse ou quoi, c'est pas possible. À l'arrêt il veut bien le faire. Mais en mouvement il veut pas. Bah, il est extrêmement lent sur ses changements d'appui en défense. C'est horrible. Yanis qui me fait confiance. Oh la fin de... Oh, je lui attendais pas. La fin de tir qui a fonctionné. Oh, incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de ces petites animations là lorsque il y a un changement d'angle de caméra. Merci beaucoup GoFreezer pour le deuxième mois parce que tu as aimé le premier. Ça, c'est vraiment très agréable. Qu'est-ce qu'on en pense du changement de caméra quand on sait que le tir va rentrer? Alors on a du nul, du moyen, du c'est désactivable, non, du pas fan, du pas dingue. C'est nul parce que du coup ça te spoil le tir. C'est kata. Ok, donc ouais, je pense que vous êtes un petit peu comme moi, ouais. Vous kiffez pas de ouf. Vous kiffez pas de ouf pour la majorité, bien sûr, Janta. Ouais, moi non plus. Ça, oui, effectivement, comme on le disait, hein, ça te spoil le truc. Bon, sauf quand c'est un tir. Sauf quand c'est un green de ton personnage. Parce que le green, tu le vois affiché, à la rigueur, tu la mets l'anime, tu vois. Là, il se met tellement loin. Le cradle. Oh. 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 Oh oui. Oh oui. Oh, on prend. Oh, on prend. Vous prenez ça dans votre gueule et on est passé. On est passé devant. Je vais jouer avec Milwaukee cette année. Non, non, mais putain, l'inertie en défense, c'est horrible. C'est grâce à ma protection de rebond. Hein. Ouah, putain. Il va à une vitesse en avant, le Yanis, là. Faites rentrer Booker. Mais ça va, ils font ce qu'ils veulent. S'ils ont pas envie, ils ont pas envie. Moi, je pense qu'ils ont raison. Hein. Ils le protègent un peu. Merde, je pensais qu'il allait shooter. Je suis là pour aider. D'accord. J'ai aidé quoi. J'ai aidé. Oh putain. Oh putain.
punaise, dunk à l'arrêt sur Booker. Ah bah je prends. Bon, par contre, ce système d'écran post-bas, ça régale. Hein. Ça régale. Bah vous voyez Booker, bah voilà, il est là Booker, il s'est pris un petit dunk sur sa gueule. Voilà, tout simplement. Non, je pense que cette année, si je m'y remets bien, on va travailler les dribbles. Ah bon, bah Booker est revenu. Hein. Booker est revenu. Alors on va travailler les dribbles. Des trucs sympas à touch. Je suis pas fan. Quand c'est un autre joueur que le tien, je suis pas fan. Quand c'est le tien qui fait un green, ouais, pourquoi pas. Quand c'est un autre joueur, ouais, c'est le spoil d'une seconde, quoi. Ah, je suis pas fan. J'espère que ça se désactive, ouais. Gnig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 n
le gameplay est différent, il y a des petits trucs qui changent, mais c'est pas la folie non plus, hein. Il y a des nouveaux timings qui sont apparus. Merde, fait que je mette un écran. Ah ouais, quand même. Ah oui, mais si tu suivais mes lives de façon plus régulière, non, je me doute que t'as d'autres choses à foutre dans ta vie que ça. Mais le jour où j'en ai parlé, ils m'ont dit qu'ils allaient m'envoyer quelque chose. Hop là. Non, il veut pas. Hein. Juste tenter un truc là. Hop, schlack. Hop, je t'envoie. Putain, mais. C'est n'importe quoi. Bon, il aurait fallu. Non, mais il aurait fallu que je tire, hein, mais je voulais juste encore me refaire un petit plaisir avec ce pick and roll. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On a fait pas la faute ? Oh, bah tant pis. Bon, on fait pas faute, hein. Ok. Lequel est le meilleur en 2K21 et 2K22 ? Alors, c'est très facile, hein, sachant que j'ai joué même pas une heure encore à 2K22. Je peux bien évidemment te donner un avis franc et tranché qui ne changera jamais. Je sais pas encore. Merci d'avoir suivi ce tout petit live, mais je pouvais pas en faire plus là, vu l'heure. Je vous dis à demain, tout simplement. Merci à tous, et je vous dis à demain. Passez une très très bonne soirée. Bisous !